la définition même de la déception. Ce mardi 11 juillet, Franck, ancien participant de L'Amour est dans le Pré, a évoqué cette propriété qu'il mettait en location et à cause de laquelle il a eu quelques mauvaises surprises. En partageant plusieurs photos du procédé de nettoyage de l'habitation, sur son compte Instagram, celui qui s'est fait connaître grâce à la saison 16 de l'émission romantique de M6 a révélé que chaque séjour au moulin, lui, génère 6 heures de travail. En toute franchise, il a précisé qu'il renfloue la caisse tous les ans car les frais dépassent les rentrées d'argent. Et s'il s'était obstiné à continuer ce petit business bien peu prospère, c'est notamment parce que le plaisir de recevoir est indéniable avec des personnes très souvent merveilleuses qu'il a pu recevoir. Mais malheureusement, Franck a aussi dû affronter des clients pas du tout respectueux vis-à-vis de tout le travail qu'il réalise pour les accueillir et de son implication au sein du moulin. Certains mettent à mal ma motivation. Désistement, non-paiement, réflexions déplacées et manque d'éducation sont assez fréquents et ont le don de me brouter sérieusement, a-t-il déploré, avant d'expliquer qu'il a donc pris la décision de retirer le moulin des plateformes de réservation pour ne plus avoir à gérer les problèmes. Dans les commentaires, une internaute lui a notamment assuré que dans beaucoup de Airbnb, on doit venir avec nos propres draps, en lui conseillant donc de faire pareil pour, lui, éviter du travail supplémentaire pour nettoyer le logement. Mais Franck n'est pas du tout de cet avis-là. Supérieur à L'Amour est dans le Pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18, un hôte qui va pouvoir profiter de son propre moulin. Pour la première fois non, soit je fais bien, soit je ne fais pas, a-t-il répliqué, préférant ne pas faire les choses à moitié. Une autre personne lui a demandé ce qu'il espérait, en ajoutant, pessimiste, aujourd'hui, les gens ne respectent rien et tout leur est dû. L'ancien participant de L'Amour est dans le Pré a néanmoins répondu qu'il est davantage du style à croire en l'homme. Je suis un doux rêveur, a-t-il lancé. Sous un autre commentaire, le sylviculteur et maraîcher, qui en aura le bol de payer sans cesse pour le plaisir de certains, a déclaré qu'il va pouvoir coucher au moulin, lui qui n'en a jamais eu l'occasion jusqu'alors. La décision est prise et sera appliquée dans la journée. Pour avancer, il ne faut pas perdre de temps, a-t-il aussi martelé sous son poste. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran à Instagram. Step up.